any question. If the density is bigger when you are cutting this one, it's very easy. This one, it's not the same thing. How much time to do an inscription? It all depends what sort of stone you use. On va voir les outils. On a tout cela qui sont les outils à percussion lancée. Celui-ci, l'idée, c'est qu'on prend l'outil à deux mains, la partie active de l'outil est envoyée sur la pierre. Donc on le prend comme ça. Et si je veux enlever beaucoup de pierre, comme ça, si je veux juste uniquement enlever un petit peu de pierre, on l'utilise comme ça. Avec ce type d'outil, on peut aller du dégrossi, d'enlever beaucoup de matière jusqu'à la finition. C'est ce qu'on voit sur les églises qu'il y a dans la région. La position de la personne, pour vous, va avoir un impact sur la trace. On peut trouver la position du tailleur de pierre par rapport à la trace. Donc, les outils à percussion lancée. On commence par les pics. Deux types de pics, plus ou moins gros. Ici, un pic plutôt de carrier, qui est utilisé en carrière. Inquiry, use big tools. Two stone cutting, smaller. Alors, c'est très efficace. On voit les traces de pics. Et on peut imaginer, la trace est arrondie. Parce que l'outil arrive comme ça, ici, et naturellement arrondi comme ça. Ce qui fait qu'on a des traces qui sont arrondies. C'est ce qu'on trouve sur les sarcophages mérovingiens, c'est ce qu'on trouve en carrière. Le petit pic. Pareil, la trace est arrondie parce que moi, mon geste est arrondi. Your brain knows the position of the tool. And your brain finds it. Ah, here, it's good. That sort, it called taillant. Typical stone cutting tool. It's the same family of taillant. This one with tooth, it's the same thing in carré. It's very large. Bigger, it's not really a taillant, it's to cut stone. Big tooth. Donc là, ce sont tous les taillants. Alors, vous avez vu, il y a des grands, des petits. Ça dépend de l'utilisation qu'on en fait. Ensuite, les polkas. We can show traces of polka in Merovingian period, in sarcophage. Because with only one tool, you imagine you have a stone here to do a sarcophage. With this one, you can use this part to cut the vertical and up this part to cut the stone in the front of the sarcophage. With only one tool, you can do a sarcophage. When you show traces on sarcophage, it's exactly the same part here and here. Little polka. With one tool, you can do two operations. Smaller, and here. This one, it's a reproduction of Dolabre. Roman legionary, they have this sort of tool. Chauta. Typically in the Mediterranean, from Grecia to Egypt.
Gradin, Shauta, it's the same thing. But when you show traces with Gradin, you have surface. A surface, and it's not the same thing here. And normally, you never show the sort of traces because it's 19. When you show the sort of traces, you put some question. It's very typical. A lot of point. It's really used in granite. And twice, têtu is to do moins long. And you do a face to do moins long. After you have percuteur, mallette, hammer, hammer. All sort of hammer. What change? The form and the weight. And after la forme, une massette de Venise, 800 grammes. Ça, c'est une 800 grammes aussi, massette de plutôt de maçon. Ça, 1 kg, la massette de maçon. Et après, ici, des massettes qui sont cintrées. Si vous tapez l'outil avec une massette qui est plate, j'exagère exprès, mais l'outil vient comme ça. Donc le coup ne porte pas bien. La face de la massette n'est pas sur la face du ciseau. Donc, pour résoudre ça, on a des massettes qui sont cintrées. Quand on tape, la partie active, la partie qui porte, vient dessus le ciseau. C'est pour ça qu'après, on a celle-ci, qui est une massette qui vient de Palestine. Massette palestinienne, vous voyez, qui est très cintrée. Les tailleurs de pierre, les graveurs palestiniens utilisent toujours cet outil. Hop. Et la surface porte vraiment bien sur tout l'outil. Ça, on retrouve cette forme sur la colonne Trajane. Sur les soldats romains utilisent des massettes qui ont à peu près cette forme. Toutes les régions ont des massettes qui sont différentes suivant les formes. Si on prend une massette qui a la même forme mais qui a été faite par quelqu'un d'autre, elle ne sera pas exactement pareille. Massette tronconique qui est arrondi sur le côté, qui porte comme ça. Alors, c'est une massette qui a été, en France, on appelle ça une massette portugaise. Ça a été importé par les tailleurs de pierre portugais dans les années 1970. La massette, en général, s'utilise sur un manche en bois. Là, cette partie métallique qui vient taper sur le manche en bois, comme ça. Je vous fais voir les outils après. Et ensuite, les maillets. Toutes sortes de maillets. La forme reste quand même toujours la même. Donc, on prend l'outil. Ici, vous entendez le coup. Alors, on utilise du bois directement sur un outil en acier. Donc, ça s'appelle une tête à maillet. Et je ne rentre pas dans la pierre. Parce qu'en fait, systématiquement, pour l'activité, l'outil est dimensionné à ce qu'on veut faire comme travail. Si on veut faire un travail très fin, on prend un petit outil, alors que là, pour ça, l'outil est quand même beaucoup plus efficace. Il est lourd, il fait son travail, ça pose pas de problème. Voilà. Donc ça, c'était les percuteurs. Les percuteurs tapent sur des outils à percussion posée, donc on a toutes les largeurs différentes, c'est-à-dire qu'un ciseau droit, l'outil basique de taille de pierre, va aller de ça à ça. On ne va pas utiliser ensuite le même type de ciseau pour le même type d'activité. Des manches ou des têtes à mailler. Ciseau droit, gradine, gradine, plutôt grain d'orge. Donc les ciseaux sont utilisés suivant l'activité que vous faites. Pour une ciselure, j'utiliserai un ciseau droit. Alors on peut surfacer entièrement une pierre
avec le ciseau droit. Ça, c'est vraiment l'outil standard. Il fait 3 cm. L'outil standard, avec, si vous avez un tailleur de pierre avec une massette et un ciseau comme ça, globalement, il peut tout faire. La gradine, avec des petites ou des grandes dents, c'est pareil. La gradine, ça se décline parce qu'en fait, quand le forgeron fait la gradine, bah, il coupe les dents, mais les dents peuvent être plus ou moins larges. On peut trouver des traces avec une dent qui a disparu. Donc là, pour nous, c'est intéressant parce que ça permet de savoir le même type d'outil qui a été utilisé sur différents endroits. Bon, la gradine laisse des petites traces. Donc là, c'est une petite gradine avec des dents fines. Ici, avec des dents un peu plus grosses. La répartition se fait un peu mieux et ça permet d'éviter que ça saute. Grain d'orge avec des grosses dents, je vous l'ai fait tout à l'heure. Donc là, c'est fait pour enlever beaucoup de matière. Voilà. On voit bien les différences de traits et ça, on le voit sur les pierres. Ça permet de voir les techniques qui étaient employées, les outils, éventuellement les traces, et de faire peut-être des comparaisons. Partie concave. Vous voulez faire une moulure ici. Donc il existe la gouge. La gouge qui est arrondie. Les gouges, on a des rayons, des largeurs différents suivant l'activité qu'on veut faire. Donc la gouge, c'est comme le reste. Et on a une partie qui est arrondie pour faire une moulure concave. C'était peu ou pas utilisé dans l'Antiquité. On utilisait le bourron. Comme ça, c'est pareil. On arrive à avoir une partie concave avec l'outil. Les Romains, au sens large, en fait, faisaient leur moulure directement avec le ciseau. En suivant la moulure avec le ciseau. Rip. Ça permet d'avoir une surface qui est plate. The stone is not homogène. Homogène. The man is not homogène. Quand vous appuyez dessus, on appuie plus ou moins fort, la pierre est plus ou moins dure, oui, oui. Et en fait, ça fait ce que j'appelle le syndrome de la tôle ondulée. C'est-à-dire que les endroits où la pierre est tendre, l'outil s'enfonce plus. Les endroits où la pierre est dure, on le voit bien ici, l'outil remonte. Et plus on passe, plus souvent ça monte et ça descend, très souvent. C'est pour ça qu'à partir du 19e siècle, ils ont inventé cet outil. Voilà, qui était, bon, il y avait des guillaumes avant, mais ça a été inventé, qui s'appelle un chemin de fer, qui a des lames qui sont positionnées de telle sorte qu'il y a toujours une partie qui appuie dessus et que sa surface est bien droite. Donc c'est la même idée. Rap. Bon. Pour écrire. Donc, pas de crayon. It's very easy. Ou charbon. Une pointe. Why not? On peut effectivement tracer comme ça. Tracer comme ça. Utiliser avec la règle. J'ai mes traits qui correspondent à la partie de ma lettre, éventuellement. Et après, il y a juste à graver. Il y a juste à graver ce que vous allez faire maintenant. Show must go on. À vous. C'est parti.